Bonjour à tous! Le retour de Mimi Diary, Diary. Écoutez, je vais faire une intro simple, rapide, explication rapide. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Vous me demandez, mais où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? On fait une vidéo. Pourquoi tu fais plus de vidéos? J'ai un peu lâché YouTube ces derniers temps. Je vous avais déjà plus ou moins expliqué que depuis que je suis au Canada, j'avais des baisses de motivation, des baisses de morale. Mais c'est pas le Canada. Enfin, je pense que c'est beaucoup moi, la pression des chiffres, les statistiques, et ça arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeurs. Et c'est vrai que moi, je pensais vraiment qu'en arrivant ici, ça allait donner une nouvelle dynamique à ma chaîne, et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. De base, YouTube, je le fais vraiment avec passion, et j'ai trouvé que ces derniers temps, je le faisais moins avec passion, mais plus pour réussir. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux faire en fait. Quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment pas pour ça. Enfin, je pense qu'on a toujours aussi une part de vouloir réussir, c'est normal, puisque quand on se lance dans un projet, on a envie de réussir. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai commencé à allumer le bouton de mon iPhone, parce que c'était un iPhone, je l'ai fait avec passion et envie de partager. Et du coup, j'ai perdu un peu ce truc-là. C'est pour ça que j'ai fait une pause, parce que j'avais besoin de me recentrer et de savoir vraiment ce que je voulais. Et donc là, j'ai décidé de juste prendre ma caméra, partager ce que je fais, partager ce que je mange. J'ai toujours resté dans la food, ça reste ma passion numéro une, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, vous allez me suivre dans ma vie. Waouh, oui. C'est très très beau aujourd'hui, donc on va un petit peu bouger, je pense. C'est parti, venez avec moi les amis. Vu que je suis au Canada, il y a un petit déj que j'adore faire et que je me fais tous les matins, quasiment tous les matins. C'est du pain avec du peanut butter, de la banane, tout ça on va le faire ensemble. Et oui, purée, décision de fou. Normalement vous avez dû voir passer des shorts et des réels ou voilà, des petites vidéos, parce qu'en ce moment je fais beaucoup ça, j'adore faire ça, donc c'est pour ça que vous voyez plus de contenu court que de contenu long. J'essaye le sans gluten, parce que depuis que je suis ici, mais dès que je mange des pâtes, j'ai un ventre, mais genre on dirait femme enceinte, vraiment. Bon, je dis ça, ça fait deux jours que je fais du sans gluten, mais je me sens bien. Pain sans gluten, franchement je pensais que ça allait être pas bon, et en vrai c'est super bon. Petite banane, peanut butter, vas-y on prépare ça, let's go. Donc pour le petit déjeuner, peanut butter banane. Je trouve que le pain en fait, il a un goût, un peu un mélange de cracotte pain d'épices, sans le goût du pain d'épices, mais la texture. Ou sinon il y a une autre école ici, c'est peanut butter confiture. Je l'ai essayé et franchement je trouve ça trop écœurant. Moi je suis pas hyper fan, très américain de faire ça. En ce moment j'aime bien boire du jus de cranberry le matin avec mon latte coco, vous savez, vous me connaissez maintenant, latte coco c'est un incontournable. C'est mon petit déj préféré. Les graines de chia apportent un petit croquant, mais il n'y a pas de goût en fait. Ou sinon, ça te reste dans les dents. C'est super. Chocolat chaud. Benko. Bah, je trouve que ça sent beaucoup le lait, quoi. En fait, ici, vraiment, je trouve que le goût de chocolat, il n'y a pas. Il n'y a pas de goût de chocolat. À part le Nutella, mais c'est pas du chocolat. Tu vas dans un café prendre un chocolat chaud, ça a le goût de lait. Les mimos. Oh, les mimos. Allons-y. Je vais commencer à travailler, je suis toujours en pyjama comme vous pouvez le voir, mais j'ai pas la motivation de me préparer là en fait. Genre je suis fatiguée. En fait je vous ai pas dit, mais je suis inscrite au volley. Donc tous les mercredis soirs j'ai match de volley avec mes potes, on s'est inscrits en fait. Et c'est trop génial, franchement c'est trop génial, les sports co aussi. Je vais taffer, petit télétravail, et je pense qu'après je sortirai, parce que en général, soit le matin je pars dans un café travailler et je bosse l'après-midi après de la maison, soit je fais le matin à la maison et l'après-midi je sors, parce que si je fais toute la journée enfermée, je pète un câble les gars, mais je pète un câble, genre vraiment. Je suis éclatée, la vérité je suis morte, je comprends pas. Voilà, bon bah toutes les petits loulous. Ce midi, LC Life. Alors j'ai mis un... Sur Twitch t'as dit? Sur Twitch. Allez c'est bon. Non. En direct sur Twitch. J'ai mis ça parce qu'il fait trop froid. C'est un truc de fou, c'est mal isolé. Ce midi, un peu de la LC Life là. Ce soir je vais au resto donc... Au menu, brocoli, carottes, patates douces. Oui un peu de tout et n'importe quoi, c'est un peu les restes, bon, j'avoue. Du riz basmati avec des lentilles corail et des pois chiches. Avec du curry. Je trouve que c'est une belle assiette. Donc on va faire réchauffer tout ça et c'est parti. En tout cas on remarquera que je ne fais toujours pas d'effort de présentation dans mes vidéos YouTube. Je suis toujours schlag. C'est ça quand même. Bon alors du coup j'ai réchauffé avec de l'huile de sésame et avec un peu de soja. Et ça donne une petite bouillie. C'est magnifiquement bon. Dîne à un restaurant 5 étoiles. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'adore les brocolis, sachez-le. C'est trop bon les brocolis. Qui aime les brocolis en commentaire? C'est incroyable. Bon, je suis dingue les gars parce que je voulais grave faire un espèce de porridge. Pas porridge, comment ça s'appelle? Un pudding. Ah, pudding, c'est ça. C'est grave liquide, je pense que j'ai manqué un truc. Et du coup, je sais pas si là je le mange, si c'est bon. Ah, quand même, hein, c'est pas mal. Il y a un truc, il y a un bail.
Est-ce que vous savez d'avoir une frange, c'est... c'est terrible. Là, je ne peux plus me l'avoir. Elle pousse pas, ça fait plus de 2 mois, ça fait avant Noël que je l'ai, ok. Moi, je ne veux plus jamais. Hein. La pire erreur de ma vie d'avoir fait une frange, la pire. Mais on dirait que je suis une meuf qui sort du lycée, en fait, là. Genre, allô, j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, on dirait que j'ai 15 ans. Écoutez, c'est des erreurs de jeunesse, hein. On le fait tous. Franchement... Moi en commentaire, ça me va un peu quand même. Je vous dis, depuis que je fais ma frange, on taille. Hein. On fait que me tailler. Ah, comment ça fait trop du bien de sortir. Je suis Dora l'exploratrice, évidemment. J'adore Montréal. Vraiment, pour me promener, marcher, j'aime beaucoup. Regardez comme c'est mignon, quoi. Vous avez des églises partout. Il y a un truc que j'adore à Montréal, c'est ça. Beaucoup de street art, en fait, à Montréal. Beaucoup de créations au niveau des murs. Ça, incroyable, vraiment, c'est trop bien fait. Ça peut paraître bizarre pour vous parce que vous devez travailler, je pense, à l'extérieur. Mais pour moi, genre, quand je sors, c'est grave en mode... Oh, ça me fait du bien. T'as pas vu ma frange, je peux plus l'avoir, je peux plus. Je peux plus l'avoir. Je suis au Cosé Café à Montréal et la fille m'a conseillé une spécialité coréenne. Donc, c'est une boisson à base d'expresso et de crème de jaune d'œuf. J'avais peur que c'est le goût du jaune d'œuf. En fait, c'est très fort le jaune d'œuf. Mais en fait, pas du tout. C'est sucré, c'est un petit goût de tiramisu. Faut bien le mélanger. Et voilà, j'ai passé un agréable moment. J'ai retrouvé l'heure, c'est Wam. Ce soir, nous allons manger au restaurant, c'est pas encore lequel. Enfin, restaurant. J'ai la dalle. Hey, j'ai trop faim. J'ai eu peur. On regarde ce qu'on peut manger. Bah ouais. Est-ce qu'on reste pas vers Berry UQAM? Bah si. En vrai, bah après, Berry, je sais pas, y'a quoi. Je sais pas, y'a pas grand chose, hein. Si, je pense, y'a plein de trucs, mais. Ouais, mais faut checker, quoi. Ouais. Bon, on regarde ça et on déguste après ensemble. Ma soeur, c'est le retour! Ouais, we'll be back. Salut la commu, ça se dit quoi? Ça fait des mois. On est plein d'énergie là. On va au resto. Et franchement, la place est trop mignonne et on a une vue incroyable. Mais je te jure. Non. Mais dis pas que c'est fermé. Mais non. Oh. Alors les gars, le restaurant pour l'instant est d'art. Ça on a dit. Ça on a dit. Ça on a dit. On se sent un peu en France, Italie quoi. Voilà. Et en plus de ça, les plats ça va, ils sont pas genre trop chers, c'est à peu près 20$. Un truc comme ça. Et il y a un bar à salade à volonté. Alors, les petites salades. Ouais. J'ai pris des tortellini fourrés à la ricotta, sauce rosée, vin blanc et échalote française. Alors, est-ce que c'est bon? Oh! Sarah, t'as goûté, t'en penses quoi toi? J'adore. C'est super bon. Ouais. De ouf. Validé. C'est très délicieux, Helja le top. Non, pardon, c'est bon. Là, je me régale, ça fait plaisir. Banger. Alors on a clairement un carrot cake pardon qui fait à peu près la taille de ma main. On a déjà mangé un petit peu. Avec la crème. Trop bon. Il est trop bon. Il coûte 11$. 11$. Ok les amis. Oh là là, j'ai une sale tête comme ça, mais toute la vidéo j'étais chum en fait. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie à tous. Le restaurant à la fin était trop bon, je pouvais pas trop filmer parce que bah, y avait du bruit et tout. Mais franchement j'ai grave kiffé, c'était trop bien. En plus dans un cadre magnifique. En tout j'ai payé 55$. C'était 22$ mon plat. J'ai payé du vin. Attention, faut pas abuser de l'alcool. Et le carotte cake à la fin. Pff, incroyable, 11$ le carotte cake. Mais il valait grave le coup. 7 étages, elle m'a dit la serveuse. Bref. On se retrouve pas très vite pour une prochaine vidéo. Je continue mes shorts, mes réels, mes TikTok. Donc vous pouvez me suivre sur mes 3 plateformes différentes. Parce que je suis très actif sur les autres réseaux. Et voilà, je vous fais des très très